crash test, notamment la résistance Nikon D3S. Beaucoup nous parlent de tropicalisation, de résistance des boîtiers, mais qu'en est-il vraiment? Tropicalisation, résistance à la pluie? Suivez-moi. Alors, résistance à la pluie, la tropicalisation? En avant. Pour l'instant, aucun problème. Donc comme nous l'avons vu, rien à signaler sur Nikon D3S. Malgré cela, comme tout appareil, même s'il peut résister à la pluie, le mieux est tout de même de l'entretenir. Après avoir testé l'appareil sous une pluie battante, qu'en est-il réellement des chutes? Le Nikon D3S est-il capable de résister à une chute? Qui n'a pas un jour fait tomber son appareil de son trépied? C'est ce que nous allons voir dans ce prochain test. Après le test de la boue, vous me direz que la surface est un peu molle. Essayons sur une surface plus dure. Le D3S est toujours fonctionnel. Donc après les chutes dans la boue et sur sol dur, nous allons essayer une nouvelle chute pour tester un petit peu la résistance du boîtier. C'est l'oubli du boîtier sur le toit de sa voiture. Tout le monde a cette hantise d'oublier un jour son boîtier photo sur le toit de sa voiture. Va-t-il résister une nouvelle fois à ce test crash? C'est ce que nous allons voir. Alors, il fonctionne toujours ou il ne fonctionne plus? Normalement, vu les chutes déjà exécutées, il devrait être toujours en fonctionnement. Déjà, rien à signaler au niveau du boîtier. Tout est OK, pas de fissure, rien. Tout fonctionne. Juste formater ma carte mémoire parce que c'est une petite carte. Voilà. Tout est OK. En mode rafale. Tout fonctionne, y compris l'écran.
la résistance à la pluie avec une Nikon D3S, la résistance aux chutes, qu'en est-il de la résistance au froid? C'est ce que nous allons voir dans ce prochain test. Suivez-moi. Au congélateur. Petite précision, donc il est resté à peu près à moins 20 degrés pendant 48 heures. Suite à ça, donc on a procédé à sa décongélation et son séchage qui a duré à peu près 5 jours. Donc à l'origine, la batterie n'avait pas été mise donc, au congélateur. Donc première étape pour voir si le D3S fonctionne toujours, c'est de remettre la batterie. Autre précision, la carte mémoire donc de basse qualité, mais était elle aussi au congélateur. Donc cela permettra aussi de tester un petit peu la résistance des cartes. Déjà, première étape, le voyant vert de fonctionnement s'est allumé lors de l'insertion de la carte. Donc pour l'instant, cela semble correct. L'écran supérieur a l'air de fonctionner aussi. Bien entendu, l'objectif n'était pas lui aussi au congélateur. Donc voici de nouveau, on va dire, le Nikon D3S opérationnel. L'allumage, ce que tout le monde attend. Déjà, l'écran de contrôle a l'air de fonctionner. Sa luminosité fonctionne. Regardons maintenant, l'écran arrière aussi fonctionne. Regardons maintenant la prise de vue. Tout semble fonctionner, y compris l'écran arrière. Donc comme nous pouvons le voir, le Nikon D3S tient non seulement pour le moment à une pluie très intense, comme nous avons pu le voir dans la vidéo, à des chutes, à la boue, à l'eau et au gel. Donc après le test de la pluie, le test des chutes, le test sous la glace, il nous restait à faire un dernier test pour voir la résistance un petit peu du Nikon D3S, c'est la résistance au feu.
Donc va-t-il résister au feu? On va attendre un petit peu parce que le bouchon est chaud. Léger déclenche. Voilà. Le collimateur fonctionne. L'écran du dessus fonctionne. Ça déclenche. Et ça marche. Donc après tous ces tests, on peut considérer, lorsque les constructeurs parlent de tropicalisation ou de résistance à la pluie ou autre, on peut considérer que la solidité du matériel est à rude épreuve. Bon, il y a le bouchon du déclencheur là qui a fondu. Mais ça déclenche. Bon, il y a un ressort, donc là il n'y a plus de déclencheur. Mais ça marche.